Madame, Monsieur, carigumpadrioti, les fêtes de Noël et du Nouvel An sont traditionnellement un moment de partage, de retrouvailles en famille ou entre amis. Elles viennent cette année clôturer une année 2020 terriblement éprouvante. Dans un monde lui-même en fracas, la Corse est confrontée à un cumul de difficultés sans équivalent dans notre histoire contemporaine. Le premier facteur de crise majeur découle bien sûr de la pandémie de Covid-19. En dix mois à peine, le virus a tué dans le monde plus de 1 million de personnes et en a contaminé 73 millions. Il a aussi déséquilibré l'ensemble du système économique mondial et bouleversé la vie collective de chaque pays et continent. La Corse n'a bien sûr pas été épargnée par ce tourbillon, ni au plan sanitaire, ni au plan économique et social. Ce soir, je pense d'abord aux disparus et à leurs familles endeuillées, ainsi qu'à celles et ceux qui ont souffert ou continuent de souffrir. Je veux également citer, pour les remercier à nouveau, l'ensemble des médecins et personnels soignants exemplaires et souvent héroïques en Corse comme ailleurs. Mais au-delà de la communauté médicale et médico-sociale, c'est bien la société corse tout entière qui s'est mobilisée à travers des dons, des initiatives innovantes ou encore l'implication de la diaspora. Chacune et chacun a apporté sa contribution en Corse comme à l'extérieur, par exemple à Beyrouth, meurtri par une terrible explosion. Face à ces circonstances douloureuses, notre peuple a su, comme à chaque moment sombre de l'histoire, se montrer généreux et solidaire. La collectivité de Corse, institution de la Corse et des Corses, a elle aussi joué un rôle déterminant dans la riposte collective face au coronavirus. Je veux saluer publiquement l'action des fonctionnaires et agents de la collectivité de Corse et de ses offices et agences et les remercier pour leur engagement. Avec eux, grâce à eux, nous avons maintenu un haut niveau de service public dans tous les domaines. Nous avons ainsi distribué, dès les premières semaines et alors que l'État était défaillant, plus d'un million de masques et des équipements individuels de protection aux professionnels de santé, au secteur médico-social, aux petites communes et intercommunalités que je salue. Nous avons également mis en œuvre des dispositifs de soutien pour chaque profession et secteur d'activité complémentaires de ceux de l'État et demandé au gouvernement, dès le mois de mars, que les spécificités de la Corse, territoire insulaire, soient prises en compte, nous adossant aux analyses du comité scientifique de Corse et de l'ensemble de la communauté médicale insulaire. Le Green Pass est bien sûr l'exemple emblématique de ce coup d'avance dont nous aurions pu nous doter. Refusé pour les vacances d'été, il a finalement été retenu en son principe par le gouvernement pour les vacances de Noël. Les retours d'expérience en Corse comme ailleurs confirment que notre analyse était, depuis le début, la bonne. La Corse, où le virus avait pratiquement disparu au mois de juin, a connu après l'été une deuxième vague catastrophique. Elle a retrouvé aujourd'hui un taux d'incidence parmi les plus bas. Il nous appartient de tout faire pour qu'il n'y ait pas de troisième vague à laquelle ni notre système de santé, ni notre économie ne pourraient résister. L'État reste bien sûr le détenteur de la compétence en matière de santé publique, mais chacune et chacun d'entre nous doit agir comme s'il avait seul les clés de la réussite collective. Nous avons été disciplinés et respectueux du confinement et des règles de sécurité depuis le début de l'épidémie. Il faut continuer de l'être, quelle que puisse être notre lassitude ou notre impatience de retrouver une vie normale. Cela commence ce soir, lors de la soirée du réveillon, et cela doit se poursuivre dans les semaines à venir. La stratégie proposée par le conseil exécutif de Corse est claire. D'abord, maintenir un niveau très bas d'incidence, ce qui passera par la proposition de prolongation du test obligatoire pour les semaines à venir. Ensuite, renforcer le dépistage avec des campagnes de tests ciblées et la rupture immédiate des chaînes de contamination. Enfin, protéger la population avec la mise en œuvre de la campagne de vaccination et le maintien des gestes barrières. Cette stratégie nous permettra de revenir au plus tôt à une activité économique et sociale pleine et entière car la situation économique et sociale est notre deuxième sujet majeur de préoccupation. Il n'est en effet pas un seul secteur de l'économie, pas un seul pan de notre société qui puisse envisager le jour d'après avec sérénité. Je pense aux chefs d'entreprise, aux commerçants, aux artisans, aux indépendants, aux agriculteurs, aux pêcheurs, je pense aux salariés, aux chômeurs, aux bénéficiaires du RSA, aux exclus. Toutes et tous s'inquiètent en se disant que demain risque d'être pire encore qu'aujourd'hui et qu'ils ne pourront faire face à une aggravation de la situation. Je pense aux étudiants, aux apprentis, aux lycéens, privés d'une large part de leur formation et de leur vie sociale, s'interrogeant sur un avenir dont ils n'arrivent plus à discerner les contours. Je pense aux acteurs culturels et à leur sentiment d'abandon. Je pense aux gérants et propriétaires de lieux de vie et de sociabilité comme les cinémas, les bars, les restaurants fermés et sans perspective certaine de réouverture. Je pense enfin aux personnes âgées, prises en, en étau entre d'un côté la mélancolie de l'isolement, de l'autre la crainte de la contamination. C'est donc bien toute notre société qui se trouve aujourd'hui placée en situation d'insécurité majeure. Dans ce contexte anxiogène, notre devoir est de proposer un chemin d'espoir et d'engager une dynamique collective. C'est avec cet objectif que je me suis totalement impliqué pour construire une large convergence entre la représentation élue de la Corse, dans la diversité de ses convictions, et les forces vives de l'île, notamment dans le domaine économique et social. Cette convergence s'est concrétisée par le vote à l'unanimité par l'Assemblée de Corse du volet Salvets du plan Salvets-Herilanch. Le silence opposé par l'État depuis plus d'un mois à notre demande de dialogue ajoute à la crise sanitaire, économique et sociale une crise politique profonde. Car ce refus n'est qu'une des manifestations d'une politique d'ensemble inquiétante. Une politique qui se traduit par le choix assumé d'écarter l'application du droit pour refuser le rapprochement de Pierre Alessandre et Alain Ferrandi, malgré la demande, là encore, unanime de l'Assemblée de Corse. Une politique qui se décline à travers les attaques frontales ou insidieuses contre la collectivité de Corse, querellé dans son soutien au peuple arménien, contesté dans l'exercice de ses compétences, menacé dans ses prérogatives budgétaires, méprisé dans ses délibérations. Aucune avancée donc, mais au contraire le retour en arrière avec la remise en cause du peu que nous avons au plan institutionnel et politique, sans jamais tenir compte du fait majoritaire et de l'expression du suffrage universel. Cette attitude n'est pas acceptable et ne pourra pas être acceptée, parce qu'elle bafoue la justice et la démocratie, parce qu'elle ferme la porte à toute perspective de dialogue et d'espoir, parce qu'elle ne peut que déboucher sur la révolte, là où notre volonté constante a été et reste d'enraciner la paix. Les premiers jours et premières semaines de l'année 2021 seront donc cruciaux ils doivent nous permettre de stabiliser la situation au plan sanitaire, d'engager le redressement au plan économique et social et d'obtenir de l'état un changement radical d'attitude dans son rapport à la Corse et au peuple corse. Ma détermination et ma confiance en notre capacité collective à atteindre ces objectifs sont totales. Domane nous fa fronte di e avremo senza driga, inaspettando che Bobassi di stasera una bella serata di Gabuano in famiglia o in culamig, e io come l'altrani vi dico di gore, in cui fervore, rispetto e fratellanza, pace e salute per voi e per tutti i vostri.